Michel et Odette. La situation présente à un aveugle, on lui dirait deux jeunes amants, idéalistes, honnêtes et féroces, transportés au travers d'un monde imaginaire. Si on écoutait une voyante, elle nous dirait pièce rose et bossue. Michel s'agite de cette façon, parce qu'il a vu plein de gens faire la même chose avant lui. Il est sincère. Mais Julien Tavernier prend sa sincérité pour un affront. Pour Michel, ce sont des pierres précieuses. Pour Julien, ce ne sont que des cailloux. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite. Il ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Ça, c'est leur trésor. Il l'offre à la ville. Michel commande un cognac, Odette commande un café. Michel boit le café et Odette boit le cognac. Il paye avec des pièces mouillées. Il danse. Michel prétend être le chanteur et Odette la chanteuse. Ils sont les seuls à entendre la musique. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bunny Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac tac tac, des mitraillettes qui reviennent à la. Bonnie and Clyde. Michel et Odette s'embrassent, se croient seuls en ville.
particulier n'a confiance en personne. Il est complètement omnibulé par les voleurs de fleurs. Odette a vu cette scène un grand nombre de fois à la télévision. Respiration difficile, larmes aux yeux. Elle essaye de se rappeler ce qu'il faut dire dans ces situations critiques avant la mort. Peut-être elle devrait gargouiller, regarder sa blessure et faire une déclaration profonde sur la jeunesse et la mortalité. Elle ressent tout et rien à la fois. Au lieu de ça, elle tombe. Michel sait qu'Odette doit aller à l'hôpital. Son cœur peut être brisé. Il se demande si elle appartient vraiment à ce monde. Ils espèrent.